Et nous saluons la presse qui répond présent dans la conférence de presse qu'il a fait aujourd'hui. La conférence de presse FOTE, qui est la plateforme ici, la plateforme des organisations de travailleurs et travailleuses en éducation, c'est pour nous parler des propositions que le ministère a fait pour être capable de rouvrir l'école là le 10 août qui va venir. Et nous connaissons le contexte COVID-19 là, et c'est un bagage extrêmement terrible. Et nous pensons tous nous-mêmes dans le syndicat et qui est le principal acteur dans la question de l'éducation. Et nous tendons le même genre avec tout le monde dans la presse où le ministère a annoncé une décision comme ça. Et nous pensons que le ministère a plus ou moins partagé ou bien chita avec acteur dans le système pour être capable de joindre une solution comment nous avons fait réouverture des classes. Là. Et nous tendons tout le ministère de gagner un groupe de travail qui ont été mis sous pied pour être capable de réfléchir sur comment nous allons réouvrir l'école là. Et c'est avec mon grand étonnement que nous constatons que c'est le ministre qui vient dans la presse, qui vient de bailler ensemble des mesures ou des dispositions pour ouvrir des classes là. Et nous-mêmes nous pensons que c'est une occasion pour nous apprendre tout le monde qui a fait partie des commissions ou bien groupe de travail ça. Pour être capable de proposer à ministère qui ça rejoindre comme solution pour être capable de faire ouverture des classes là. Et ça qui est le gros problème nous c'est que nous constatons et année exercice bon année l'école 2019-2020 qui t'a supposé finir en septembre comme contexte te permet que l'école n'a pas de carré ouvert. Et nous pensons que le ministère a des calendriers qu'il a le 10 août. Il est capable de faire entrer la classe 9e année, qui est la classe d'examen, à NS4 ou bien Philo, qui est la classe d'examen, tout. Les 17, il est capable de faire entrer l'autre classe. Et à partir de ça, il y a un examen en octobre. Pendant l'examen, il y a un groupe de l'école qui a ouvert en septembre. Et nous-mêmes, nous connaissons, nous avons un seul système éducatif. Nous n'avons pas une éducation à plusieurs vitesses ou bien à plusieurs dimensions. Et nous pensons, ministère qui là pour régulariser le système non pas qu'à entrer dans confusion ça. Il pense que nous même dans plateforme non nous dénoncer comportement et responsable ministère face avec question ça et nous remarquer tout et même au niveau des parents et tout ministère a pas fait approche pour capable protéger parents yo nous plus garder nous que ministère a plus à protéger pour ensemble de l'école que nous connaissons entre guillemets qui ont dit que c'est des gros écoles parce que je vous dis parce que les nous constater difficulté parents ou bien je vous dis pour capable prendre soin de monde je pense que le ministère a supposé poser problème là global pour tout le monde senti yo non système éducatif ou bien ou des dirigeants qui pensent pour yo et me pas penser que ces gens et ministère a fonctionné là ou bien le ministère a porté douce éducation ouverture l'école là qui a bon pour nous mêmes professeurs qui en salle de classe et avec parents et tout qui censé décapitaliser nos situations extrêmement difficiles et donc le professeur Rachel qui a plus ou moins et pral porté pour nous et ensemble des propositions nous mêmes dans la plateforme nan, après une réflexion qui nous fait et qui a proposé à nation à système éducatif là comment nous mêmes nous ta concevoir entre l'école là. Proposition plateforme haïtienne des organisations de travailleurs travailleuses en éducation qui s'ayoyer et faute dit et faut ministère a fait un passe main ou bien ouais travail groupe réflexion sur réouverture classe yo faire et parce que grand pile cas entre travail yo publié entre deux protocoles yo publié à savoir protocole sanitaire et protocole pour et réouverti classe là qui résumé dans un calendrier. Et pour qui ça, li mande ça parce que et calendrier ministère a publié pour réouverti classe yo 10 août 17 août pour yo fini en octobre et puis examen en octobre là, li pas correspondre avec réalité élève ou bien fonctionnement l'école publique dans pays d'Haïti. Tout le monde connaît l'école publique comment yo son équipe l'école qui ont paquet élèves dans classe pour plus fort ou bien pour plus petit ou ka joindre 60 élèves dans salle de classe
comment on va demander pour moun sa yo boucler année scolaire là et pendant a toujours gen 60 ti moun dans salle de classe pourtant on va demander 1 mètre de distance sociale ou bien distance physique dans salle de classe. Donc c'est un calendrier qui pas adapté du tout avec réalité l'école publique yo. C'est pour ça faut te demander que ministère la prend toute disposition ou bien toute mesure pour réorganiser calendrier scolaire ça pour faire en sorte que l'école là la pouvri en août c'est vrai mais si moun yo obligé gen 3 ou bien 4 mois devant yo pour yo ka boucler programme nan l'on considérer yo te fait 7 mois déjà 4 mois pays lo 3 mois confinement donc faut que ministère rewè calendrier ça pour l'école la commencer reprendre en août là c'est vrai mais la fini en novembre et examen yo ka fait nan fin novembre examen officiel yo a fait en décembre et puis l'école là a tout nouvelle année scolaire là a tout ouvert nan mois de décembre et concernant distribution et concernant mesures sanitaires que ministère la prend ministère là li prend vaguement c'est comme si li dit mais ça pour yo faire mais ça pour toute l'école fait mais le nous est consigne ça yo concerné surtout l'école privée yo mais l'école publique yo pas prend besoin yo en considération et ministère a dit pour tout si moun pote masque côté si moun sa yo pral jwenn masque Jean camarade la sodi a len considérer que parents si moun sa yo yo te ki capitaliser dans question confinement ça côté yo pral jwenn corps pour bay ti moun yo masque donc ministère a ta dwe penser selon fauté penser à distribuer lui-même des masques dans l'école yo bay chaque petit monde pipiti 3 masques pour yo ka faire semaine là et pour yo ka éviter yo et attraper maladie et relé corona ou bien covid-19 là pour ça encore ministère a doué installer des châteaux d'eau dans chaque kiosque c'est pas sous direction l'école yo nous connaît si corbio te fin rentrer a qui déjà fini hein c'est pas sous direction l'école publique yo ministère a doué quitter et bagaille ça c'est pour ministère a prendre responsabilité déjà installé depuis nan mois ça des kiosques ou bien des châteaux d'eau qui remplit de l'eau et établi des partenariats avec Dinepa pour Dinepa occuper de remplacer de l'eau à chaque fois de l'eau fini. Mais si c'est Jean ministère à la gueule là, il dit faut qu'il y ait des beaux kit. Or nous connaît nous constater et beaux kit yo mettez dans tout ministère ou bien côté yo mettez yo si yo bon jour yo gagne de l'eau dans semaine dans l'autre jour yo pa gagne. Donc faut Dinepa rentrer dans dossier ça pour alimenter château d'eau yo de l'eau pour ti moun yo. Et l'autre bagaille n'a et faute a demandé ministère encore ces cantines dans affaire cantine scolaire là qui presque éliminé dans l'école yo obligé tourner avec kounia parce que si moun yo pral prendre des cours intensifs si c'est des cours intensifs yo pral prendre yo obligé manger donc majorité ti moun sa yo leur saute la caillou yo qui doit sortir tout grand goût donc moun grand goût pas ka apprendre ministère a doué supposer penser avec causer manger pour ti moun yo et pour le dégager comme Jean-Jacques pour mettre cantine dans l'école qui pas gagné yo et renforcer cantine dans l'école qui te gagné et l'autre bagaille concernant réouverture classe là encore c'est Jean et transport ti moun yo te kon fait là nous connaît visite yo kon pote un paquet ti moun yon sous l'autre bus sa yo obligé réorganiser transport nan objectif pour yo respecter 1 mètre distance physique là et nous t'ai parlé de calendrier a qui doit prendre en compte besoin et l'école publique yo et puis nouvelle année scolaire là la pour commencer pour tout ti moun en décembre a fait ministère a dit ou bien commission a dit pour l'école qui t'ai gétant fini programme yo en ligne yo ka ouvri en septembre là ça li pa kembe parce que problème ça li résout déjà te kon bon équipe l'école qui te kon a ouvri en août en septembre et puis l'école publique yo même en octobre dossier ça c'est un dossier de classé pa quoi commission ka tourner sous ça encore pour yo di l'école qui te gétant boucler programme yo en ligne nan y a yo ka
commencer nouvelle année en septembre. Donc ça pas passé, faut que repenser, faut que ministère repenser et pour repenser le ministère Jean Camarade la Sodia, il doit tenir compte de monde qui a évolué dans système non ou bien dans éducation publique là. Parce que et Camarade la Sodia mettez commission en question, commission yon commission d'après sa information nous yon commission li formé uniquement pas des directeurs et acteurs qui a intervenu dans l'école privée. Donc si c'est acteurs qui a intervenu dans l'école privée uniquement qui fait partie de commission, c'est normal pour la coucher résultat ça. Donc et il y a pas gain intérêt pour pas faire comme ça pour l'école qui a reprendre en septembre. Et faute a demandé que yo rewè ministère a rewè ou bien repenser calendrier ça ou bien calendrier ça que commission ça a proposé a pour le cas intégrer tout si monde pour le cas intégrer besoin tout si monde qui dans l'école publique yo. Donc ça n'a demandé c'est un calendrier l'école qui gagne même le pas nous pas capable de une seule vitesse mais au moins yo te ka arranger en gens pour toute l'école yo sous même pied d'égalité pour yo ka éviter système l'école à double vitesse là dans pays d'Haïti. Si une question posez-yo, merci beaucoup.